Salut, c'est Rico et aujourd'hui on va voir comment éviter de payer trop cher ses cigarettes. Bien sûr, si tu n'es pas fumeur, c'est le meilleur moyen d'éviter de dépenser de l'argent bêtement. Après, il y a beaucoup de techniques, comme par exemple aller acheter des paquets de cigarettes à l'étranger. Mais c'est pas bien. Ou encore aller taxer les personnes, mais non, ce n'est pas bien non plus. Sinon, il y a d'autres solutions, comme par exemple utiliser une cigarette électronique ou encore utiliser des patchs pour essayer d'arrêter de fumer. Mais dans cette vidéo, nous allons parler juste pour les fumeurs, pour qu'ils réduisent simplement leur consommation financière concernant le tabac. Alors je tiens à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste pour le fun, pour vous donner une idée, parce que moi j'ai appliqué cette méthode et franchement, ça marche. Alors on va pas perdre de temps pour éviter que cette vidéo soit trop longue et que ça vous fasse chier et qu'au bout de 2 minutes vous coupiez. On va en faire une très rapide, très simple, et après vous appliquerez cette méthode ou pas. Moi je m'en fous parce que du coup je l'utilise. Mais pour vous, peut-être que vous serez intéressé par la suite. Alors, comment faire pour éviter de payer un paquet de 30 grammes à 13 euros ou 14,50 €? Eh bien, commençons tout de suite, je vous explique. Il y a quelque temps, j'étais chez des amis fumeurs qui m'ont dit que eux n'achetaient plus leurs cigarettes dans les bureaux de tabac. Ils m'ont dit qu'ils commandaient plutôt sur Internet et que ça marchait carrément mieux et que c'était moins cher. Je vous avoue que j'étais un peu hésitant, mais ils m'ont confirmé que c'était une bonne solution. Après avoir discuté et testé la méthode, je me suis dit, bon allez, je vais me lancer. J'ai donc tout commandé sur Internet et maintenant c'est à moi de vous montrer comment faire. Tout d'abord, il faut acheter sur Internet cette petite roulette qui permet de broyer les feuilles de tabac. Il y en a à tous les prix, vous pouvez en trouver partout. Moi, la mienne par exemple, je l'ai achetée à 15 euros. Si vous avez besoin d'informations en complément, vous pouvez m'envoyer un petit message en MP. Ensuite, on va acheter des feuilles de tabac. Alors, des feuilles de tabac, il y en a de toutes sortes, mais nous, on va vraiment se concentrer sur les feuilles de tabac blond et brun. En gros, c'est ce qui va ressembler le plus en les mélangeant au tabac à rouler que tu as dans tes paquets de cigarettes, mais non facturé. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis les agents de composition que les fabricants rajoutent dedans, comme l'ammoniac, le benzène, le goudron et j'en passe. Donc, en gros, on va garder que les éléments naturels de la feuille de tabac. J'ai dû attendre une petite semaine pour recevoir les feuilles de tabac. Les feuilles de tabac sont très fragiles, donc faites attention, ouvrez ça délicatement. Pour éviter d'abîmer les feuilles. Un couteau suffira pour ouvrir votre colis, mais faites attention de ne pas faire le gros bourrin de connard de merde. Soyez plus délicat, sinon vous risquez de couper les feuilles. Ensuite, votre paquet. Il faut le mettre dans un endroit sûr et chaud. Dans ce cas, rien de mieux qu'une bonne glacière ou un gros seau. Une fois que vous aurez ouvert votre colis, les feuilles ressembleront à ceci. La feuille de tabac blond au kilo qui coûte 60 euros. Pensez à bien enlever la petite racine au milieu lorsque vous voulez la passer à la déchiqueteuse. Et voici la feuille de tabac brun qui coûte 60 euros aussi au kilo. Commençons par la feuille de tabac blond qu'on va délicatement enlever tout au long de sa racine. Ensuite, la partie où il n'y a plus la racine, nous allons le passer dans le broyeur. Pensez à prendre un petit socle pour faire tomber le tabac dedans. Nous allons tourner manuellement la manivelle et passer la feuille à l'intérieur du broyeur. Pensez une fois terminé à enlever les petits restes qui se trouvent au bout. Nous allons en faire autant avec la feuille de tabac brun. Si vous ne voulez pas les mélanger, vous n'êtes pas obligé. Le blond est plus léger que le brun. Mais bon, moi perso, je préfère les deux mélangés, donc ce n'est que mon avis. Tout comme la feuille de tabac blond, nous enlevons la feuille de sa racine et nous la passons dans le broyeur. Une fois terminé, on mélange le tout et on émiette les petits restes à la main. Ça prend quelques minutes, mais c'est plus facile si vous fumez du tabac à rouler. Au pire des cas, tu te cales devant Netflix tranquillement et puis tu fais ça. Une fois la manip terminée, on obtient ceci. Et je vais te dire, à ce moment-là, on est super fiers. On va le mettre ensuite dans un pot de tabac déjà terminé et on va tasser le tout. Et voici ce qu'on obtient. Une fois terminé, il est important de nettoyer le broyeur, d'enlever les petits résidus à l'aide d'un couteau. C'est très rapide et efficace. En gros, avec 3 feuilles de tabac, 2 feuilles de tabac brun et une feuille de tabac blonde, j'ai pu faire un pot d'approximativement 40 grammes. Si vous fumez comme moi des tubes, il y en a un paquet qui se vendent sur internet, genre les 1000 tubes pour 5 balles, moi c'est ce que j'ai là. Je vous montre pas la marque, mais voilà, donc 1000 tubes, c'est énorme. Et honnêtement, il y a de quoi faire pour un certain temps. Et puis les petites tubeuses avec le tasseur qui est juste là, hop, bah ça coûte pas cher non plus, donc autant en profiter. En gros, si on récapitule, c'est un peu plus de travail, et pour les prix, 1 kg de feuilles de tabac blond et 1 kg de feuilles de tabac brun, le tout pour 120 euros, donc 60 euros le kilo, qui à toi seul va te durer à peu près 4-5 mois, eh bien, franchement, c'est pas négligeable. Je te laisse faire le calcul en fonction de ta consommation et tu me diras si ça t'a fait des miracles ou pas, tout comme moi. Petite info importante,
le consommateur peut acheter du tabac, mais il n'a pas le droit de le revendre. Ok? Est-ce que c'est clair, là? Est-ce que tout le monde est d'accord? Mais oui, c'est clair. Très bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'apportera des solutions pour la suite. Je sais que mon pote a pu économiser 800 euros sur un an grâce à ce système, donc on verra bien pour moi ce que ça donnera. Mais en tout cas, je suis plutôt optimiste pour la suite. Donc voilà, je te souhaite une très bonne soirée. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!